Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Lui qui est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu vivant, l'Éternel Dieu créateur, l'Éternel Dieu des armées. Le Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélé par nous, qui sera révélé pour nous. Je m'excuse. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ces jours, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons le prémices de l'Esprit, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. 24. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, c'est qu'on voit. Peut-on l'espérer encore? Laisse-moi répéter encore ces versets. 24. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? 25. Mais si nous espérons ce que nous voyons, nous l'entendons avec persévérance. L'Esprit, alléluia, par l'Esprit de l'intercesseur, oh, que le Seigneur vous me pardonne. 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. 27. Et celui qui sonde le cœur connaît les pensées de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Je viens de lire dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 18 jusqu'au verset 27. Vous allez m'excuser là où je lisais ici par l'Esprit, un intercesseur, c'était un titre que Scofield nous a écrit ici. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de nous retrouver dans le lieu céleste en Christ, conformément au Ephésiens chapitre 1er, car quand nous nous rassemblons tout autour du corps, c'est là où nous nous retrouvons, là où il est, comme il a dit dans le psaume, que là où deux, trois sont réunis, à mon nom, je suis au milieu de vous, c'est là où que l'amour règne. Parce que si l'amour n'a pas sa place, il n'y a rien d'autre qui pouvait faire en sorte que nous puissions témoigner Christ et montrer son identification au travers du monde. Voilà, nous sommes dans la joie parce que nous sommes en train de parler sur cet enseignement que le Seigneur nous a disposé lui-même sur la persévérance, la perception et la perfection.
ces trois choses sont très, très importantes pour la vie d'un chrétien. Afin de changer son image d'un religieux, celui qui se dépend des organisations ecclésiastiques, des dénominations, des credos et des dogmes, comme nous avons parlé cela l'autre fois à Lingala, Bituluku, Bibongiseli, Binzambinzambi, toutes ces choses-là. Vous comprenez? Mais il dépend maintenant du Christ. Pourquoi? Parce qu'il est transformé. Or, la transformation ne vient pas de la manière par le regard ou soit par ce qui a touché votre tempa. Non. La transformation, c'est quelque chose qui vient au moyen de la persistance. Quand vous persistez sur quelque chose, cette persistance va vous aider à arriver à la persévérance. Et la persévérance est celle qui produit la foi. Or, la foi n'est pas quelque chose qu'on peut obtenir qu'un seul jour ou soit en mettant votre nom sur un registre ecclésiastique ou d'une organisation, des églises ou dans votre dénomination, dans votre grande dénomination. Non, ça ne vient pas comme ça parce que beaucoup de gens, comme au départ, quand on était là sur les ailes du départ, on croyait que non, quand un homme se tient là-bas et confesse le nom de Jésus-Christ et vous l'avez entendu, que vous avez vu quelques miracles, quelque chose qui s'est passé dans votre vie dès ce jour-là, c'est verset-là qui dit que non, si quelqu'un vient à Christ et croit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, il est sauvé. Oui, mais cela ne veut pas dire que dès ce jour-là, vous êtes sauvé complètement. Non. Vous êtes entré dans la communion. Vous avez pris une décision. Donc, cela veut dire, comme Actes chapitre 2, 38 nous dit là-bas, comme l'apôtre Pierre disait, que repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevez les dons. Vous comprenez? Les, là, ce n'est pas le pluriel. Alors, les dons dont nous sommes en train de parler ici, de Joël 2:38, c'est plusieurs dons. Ce ne sont pas les dons de la manière dont l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre nous a parlé ces jours-là de l'effusion de la Pentecôte. Vous comprenez? Quand la Père les ont quittés, parce qu'ils étaient de peureux, ils étaient des gens sans foi. C'est pourquoi le Seigneur, dans la nuit de la crucifixion, avant la crucifixion, cette nuit-là, il rappelait toujours à Pierre, « Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes, Seigneur? Je t'aime de tout mon cœur, de tout, tout. Pierre, est-ce que tu m'aimes, Seigneur? » Troisième fois, Pierre a dit, « Seigneur, tu connais toutes choses. » Parce qu'il est la parole. La parole de Dieu, c'est Hébreux 4:12, qui sonde le cœur, le rein, qui pénètre jusqu'à la moelle épinière. Donc, ça veut dire jusque dans l'âme, en montant jusqu'au niveau de l'esprit. Vous comprenez? C'est ça la parole vivante de Dieu dont nous venons témoigner ici. Parce que c'est en elle que tous les miracles sont ici, inclus. Dans la parole de Dieu, tout est là. Si vous avez la parole, parce que le Seigneur, la seule chose qu'il nous a laissée, c'est sa parole. Vous comprenez? Lisez bien Jean chapitre 17. Et nous avons compris que non, Joël 2, il a parlé de plusieurs dons qu'il a répandus dans toute chair. Vous comprenez? La pluie de l'arrière-saison. Mais quand l'effusion du Saint-Esprit, après que le Seigneur leur parlait à Pierre de cette manière, parce qu'il savait que mes disciples qui sont ici pendant tout ce temps ici que je demeurais avec eux, ils n'ont pas eu encore la foi. Ils n'avaient pas la foi. Les disciples du Christ. J'ai un exemple que je peux vous donner afin que nous puissions comprendre pourquoi nous sommes en train de parler de la persévérance. Vous comprenez? En insistant que nous devons persister pour obtenir de Dieu la foi. La foi. En lisant dans Hébreux chapitre 7, c'est là que nous avons compris, selon les enseignements du Saint-Prophète, que
La foi, c'est une révélation. C'est quelque chose dont Dieu vous a révélé. La foi d'obtenir les choses temporelles, les choses dont nos corps en ont besoin, ce n'est pas cette foi-là dont nous sommes en train d'enseigner ici qui vient au moyen de la persévérance dans la persistance. Ils étaient là, ils faisaient des miracles, ils ont prêché la parole, ils ont fait tomber les diables. Mais ils n'avaient pas la foi. Et pourquoi le Seigneur a fait cette déclaration à son Pierre, en qui il lui a donné les clés d'ouvrir et de fermer. Vous comprenez? En qui il a dit que tu es Pierre, sur cette pierre. Alors que lui, fils de Jonas, il s'appelait Simon. Mais le Seigneur parlait sur cette pierre, alors que il est pierre, mais sur cette pierre, le Seigneur parlait de la pierre de la révélation. Ce n'est pas de la pierre, lui, comme nous avons vu, le basilic a été construit au nom de Pierre parce que selon la doctrine nicolaïte, ils ont dit que non, il a construit son église sur Pierre l'apôtre. Alors que Paul, l'apôtre Pierre avait un commencement de vie et une fin de vie terrestre. Parce que céleste, il vit pour l'éternité, il est déjà à la présence du roi. Vous comprenez? Mais il a bâti son église sur cette pierre qu'il a déclarée dans Matthieu chapitre 16, que sur cette pierre, je bâtirai mon église dont le quoi? Les portes de séjour des morts ne prévaleront point contre elle. C'est cette église qui est construite par la révélation, non par les dons. Plusieurs dons de Joël 2:38. Vous comprenez? Mais c'est par acte 2:38. Joël 2:28 parle. C'est par acte 2:38 quand Pierre sortait là, disait que repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Cela veut dire cette repentance dont l'Éternel nous accorde le pardon de tous nos péchés passés. Quand vous venez à Christ, qu'un serviteur de Dieu, un pasteur conduit par l'Esprit vous prend et vous amène dans l'eau et il vous plonge dans l'eau, vous devez être baptisé. Ne prenez pas les choses de Dieu sans pour autant suivre ses principes, des lois, des préceptes, des ordonnances, des commandements de Dieu qui a été établi parce que le Seigneur a dit dans Matthieu 5, tout autant que le soleil, la terre, la nuit, le jour existeront, aucune loi, aucun commandement de tout ce que les prophètes nous ont enseigné seront abolis. Vous comprenez? Tout est là. C'est ce que nous allons expliquer par rapport à ce qui pense que la grâce est une autre chose qui est venue pour abolir tout ce qui ont été autrefois. Non, parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Christ. Et quand il était venu, c'était à midi, lui-même, l'ombre est entrée en lui. Et vers le soir, le temps lequel que nous vivons, l'ombre se plonge de ses côtés, de l'ouest. C'est vous comprenez. Voilà. L'ombre se montre vers l'est et lui, il est avec nous vers l'ouest. La raison pour laquelle nous insistons sur ce point ici, pourquoi? Parce que quand l'apôtre Pierre nous a parlé ce jour-là, de l'effusion de la Pentecôte, il a dit, repentez-vous. Quand vous vous repentez, tous vos péchés passés, en ayant en vous un cœur sincère devant le Seigneur, en faisant votre repentance, sachez que Dieu, dès ce jour-là, il a tout oublié, tout ce que vous avez commis. Et les péchés qui vous seront imputés seront des péchés dont vous allez commencer à commettre après ce jour-là dont vous avez reçu le baptême de l'eau, au nom du Seigneur Jésus. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que vous devez entrer dans le processus et demeurer. Vous entrez dans la vie naziréenne. Comme nous avons parlé de Samson, en donnant l'exemple sur la persévérance, les chapitres dont nous venons, nous allons close aujourd'hui et en débitant un peu sur la perception qui est encore plus profonde.
Est-ce que vous comprenez? Alors, il a dit que non, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevez les dons. Elle, pronom défini. Vous comprenez? Sans S. Les dons. Ça veut dire le baptême du Saint-Esprit dont Jean parlait, comme nous avons lu, en parlant sur Jean-Baptiste, dans la persévérance. Comment il a persévéré, il n'a pas voulu, il n'était pas allé dans des séminaires, mais il savait ce qu'il était et il a persévéré sur ça. Il a persisté devant de grands qui étaient venus là-bas. Ce n'était pas de la blague de résister à ce moment-là devant des pharisiens, des scribes, des sacrificateurs, de grands qui étaient là-bas, qui venaient vers Jean-Baptiste avec les écritures. Vous comprenez, la Bible nous a pas tout explicité ici parce que Dieu savait qu'il enverrait Élie les prophètes conformément à Malachie chapitre 4. Voilà. Quand il viendra, il ramènera le cœur de peur, cela veut dire la foi de peur, et c'est à lui que nous avons reçu ces choses ici, de comprendre ce qui s'est passé au temps de Jean-Baptiste. Si vous comprenez. Et nous avons compris que non, ces gens-là venaient toujours vers lui pour le tourmenter, non avec des paroles, mais avec des écritures. C'était ça ce qui était Israël, c'est ce que nous devons être, parce que nous sommes l'Israël spirituel. Dieu veut que nous puissions être Israël spirituel. Par quel moyen? Par les moyens dont Jean-Baptiste disait ces jours-là, que moi je vous baptise d'eau. Vous comprenez? Mais lui, celui qui est au milieu de vous, ici, au milieu de nous, ici, lui, il baptisera de l'esprit et du feu. Voilà les dons dont l'apôtre Pierre parlait ce jour-là de l'effusion de la Pentecôte. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait en sorte que nous, beaucoup de gens, quand ils viennent dans l'église, ils croient que de ce jour-là, peut-être parce que mon père fille catholique, mon père fit du message du temps de la fin, parce que frère Branham a dit, tous qui ont cru à lui, tous qui ont reçu ce message, une portion du ciel que le Seigneur lui a été donné, vous l'avez aussi reçu. Ce n'est pas ça. Vous, bien sûr que cette promesse est pour vous. Cette portion du ciel est à votre disposition à condition que vous puissiez devenir un Naziréen et demeurer dans la persistance de la persévérance afin d'obtenir la foi en vous au moyen de la perception qui vous amène par la perfection dont nous allons parler ici. Vous comprenez? Tout dans les jours à venir par la grâce du Seigneur. Donc, tout cela est à votre disposition. C'est ce qui a créé des gens de devenir des adorateurs. À cause de quoi? Parce que quand Dieu donne une promesse et l'accomplissement de cette promesse est là, accompagné par des miracles, des prodiges et toutes ces choses-là, et cela fait en sorte que non, beaucoup de gens, quand ils voient ça, ils s'inclinent devant l'humain et c'est fini pour eux. Ils savent que non, cet humain ici, c'est lui, Dieu, qui nous a déjà amenés au ciel et nous sommes. Il n'y a rien qui peut nous condamner. Et ils peuvent vivre de n'importe comment en ayant une croyance illusoire qui fait en sorte que non, ils croient déjà obtenir la chose. Alors, quand nous venons de lire ça ici dans Romains chapitre 8, si vous voyez, j'ai répété le verset 24. Que dit le verset 24? Je lis. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance, voilà, qu'on voit n'est plus espérance. Voilà. Une portion du ciel lui a été donnée. Donc, déjà, va sauver. Mais non. 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 Le saint prophète de Dieu nous a prêché les trois étapes de la grâce. Et les autres, de l'autre côté, étant un pentecôtiste, pouvaient se tenir là, dit, nous vivons le temps de la grâce.
Vous comprenez? Je peux vivre comme je veux, je peux m'habiller comme je veux. Une fille peut se tenir là-bas, elle a dit, hey, qu'est-ce que tu dis? Jésus a déjà mouru à la croix pour moi, il m'a déjà sauvé, il m'a amené la grâce. Nous vivons en temps de la grâce. La grâce ne veut pas dire un libertinage. La grâce de Dieu a trois étapes. Comme nous venons de parler dans Acte 2, 38 ici, il y a trois étapes qui sont là-bas. Un, repentez-vous. Donc, ça veut dire que vous faites votre confession ce jour-là. Ce n'est pas le pasteur qui va faire la confession à votre place. Non. Quand vous allez faire votre confession, vous le faites sincèrement, toi, devant Dieu, pour entrer en marche. Parce que vous étiez hors de la marche. Parce que quand il marchait en sortant de l'Égypte, remarquez, Frère Bana me dit, l'épître de Josué est comparable à l'épître d'Éphèse. Et l'Éphèse, c'est notre marche aujourd'hui. Le type du Saint-Esprit des chrétiens naît de nouveau. Remarquez, Paul, tout au début, il a dit, épître, donc ça veut dire aux saints qui sont en Éphèse, aux fidèles en Jésus. Voilà, les fidèles, c'est-à-dire les gens qui ont persisté et ils ont obtenu la foi au moyen de la persévérance, de la perception et de la perfection. Ils n'étaient pas comme des Galates. Donc Paul avait dit, ne sois pas charnel. L'apôtre Paul, quand il était au Corinthe, il a dit, pourquoi vous chamaillez sur les dons? Parce qu'il sait que les dons créent des divisions. C'est ce que nous voyons dans les églises partout ici au monde, qui a fait que les églises sont des dénominations. Là. Les dons créent de la jalousie. Et nous avons vu que jusqu'à aujourd'hui, à tel point que les gens se sont devenus au niveau de s'empoisonner les uns les autres. Quelque chose qui ne devait pas arriver là où on confesse le nom du roi. J'ai regardé une vidéo tout au début de la semaine, on vient d'empoisonner un pasteur, j'ai oublié le nom, ça m'a tellement fait du mal. C'est le bien-aimé frère Chanto qui m'a envoyé sa partie de la parole. Vous comprenez? Que non, vous, serviteurs de Dieu, sois prudent, voilà. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Bien-aimé, à cause de quoi? À cause des dons. Alors l'apôtre Paul nous a dit ici, selon ce que nous sommes en train de lire ici dans Romains chapitre 8, c'est ici que nous allons demeurer pour mieux parler de cet enseignement. Vous comprenez? Confession, repentance. Quoi? C'est la justification. Et crois au Seigneur Jésus-Christ, reçois-lui comme ton Seigneur et Sauveur. Or, dès ce jour-là, le Seigneur ne vient pas chez toi pour prendre la prééminence et la domination afin d'être le guide. Non. Parce que quand vous avez fait cela, il vous a pardonné, mais vous êtes maintenant dans une étape d'observation. Cette étape d'observation, c'est pour vous servir à devenir un Naziréen. Comment avoir des choses qui semblent être à ton âge, de s'habiller d'une manière que l'âge à laquelle que tu vis demande, mais tu rejettes ça. Est-ce que vous comprenez? Voyez, une fille de Dieu, comme la parole dit, humiliez-vous à la parole. Les gens pensent qu'humiliez-vous à la parole, cela veut dire, je ne sais même pas comment est-ce que je peux expliciter ça à cause du temps. Mais laisse-moi parler de ça, simplement en donnant un petit exemple. Quand on dit « humiliez-vous à la parole », cela veut dire que non, quelque chose qui est là-bas, qu'on vous dit que non, mais si tu t'habilles comme ça, ça ne fait pas mal. Mais toi, tu regardes la parole, tu préfères t'habiller à une jupe au lieu d'un pantalon collé sexy. Soit des robes, comme on voyait des robes, avec des tissus légèrement, donc ça veut dire légers, qui sont comme des collants sur le col d'une femme, alors que tous ces couturiers qui font ces habits-là, ils savent que non, l'instrument à laquelle que le diable s'en est en servi au commencement là-bas dans les jardins d'Éden, c'était la femme. Je dis bien l'instrument. Alors, pour éviter cet état-là, vous devez vous humilier à la parole afin d'honorer ce que le saint prophète de Dieu, Paul, nous a dit ici dans 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 15.
Parce que vous, Dieu vous a donné un corps sacré. Et vous avez trois vertus dignes de vous dont l'Éternel n'a pas donné ça à nous, hommes. La virginité sacrée, la maternité sacrée et la féminité sacrée. Si vous abusez la féminité sacrée par votre façon de vous habiller, sache-le, vous êtes éloigné de Dieu. Mais quelqu'un vous trompera que nous vivons au temps de la grâce, un charlatan, un démon, à la manière onduleux, bien habillé, bien coiffé, il se tient derrière la chair là-bas pour tordre le sens de cette écriture ici. Il vous amène la malédiction de votre âme. La seconde étape, c'est la sanctification, un naziréen, cela veut dire mais mis à part pour le service. Vous comprenez cela? Sanctifié. Quand vous persistez dans la sanctification, en s'humiliant sur chaque portion des Écritures, comme cela est établi, cela vous amènera à la perfection, à la perception. Parce que la perception, c'est ce qui change votre manière de voir les choses. Vous comprenez? David était là, il était un homme ordinaire comme nous. Il avait des frères qui étaient géants, beaux plus que lui. David, dont nous témoignons ici. Le roi. Il n'avait rien dans lui qui pouvait faire en sorte qu'il puisse devenir roi. Parce qu'il était toujours derrière des moutons de son père. Il était un berger. Mais un jour, il regardait comment est-ce que Goliath persécutait l'armée de l'Éternel. Il a dit non. Et tout Israël, ils avaient peur. De quoi? D'un seul homme. Mais David remarquait ses paroles, il a dit, c'est païen ici, c'est un circoncis. Alléluia! Pourquoi? Parce que lui, il était un circoncis. Il avait le baptême du Saint-Esprit qui se représentait par la circoncision au temps des anciens, dans l'Ancien Testament. Il s'est tenu là-bas, il a dit, non roi, je vais à ce que tu m'envoies. Je vais affronter ce païen incirconcis. Et les gens regardaient à la taille de Goliath, à sa force, à ses témoignages des gens qu'il a tués, au lieu de regarder la grandeur de Dieu. Comme les gens regardent la beauté des constructions des grands édifices, des églises et des grands renommés des pasteurs, des bishops, des prophètes, ainsi de suite. Au lieu de regarder de la parole de Dieu, ce que la parole dit, est-ce que cet homme se conforme à la parole? Est-ce que cette église est si je m'en aille là-bas? J'aurai ce que le Seigneur a promis pour que je puisse posséder la foi, la révélation du Seigneur Jésus-Christ dans l'âge à laquelle que nous vivons. Mais David n'a pas regardé cela, il a regardé l'ainsi dit l'Éternel que un incirconcis ne peut pas se tenir devant les circoncis. Vous comprenez? Parce que la circoncision, c'est le baptême du Saint-Esprit dans leur temps. Et il est allé vers Saül, le roi qui était là-bas, qui avait peur. Alors lui, il était loin par l'Éternel. Il a reçu l'onction du prophète Samuel. Et nous avons remarqué qu'est-ce qui s'est passé? Il a enlevé son manteau, ses armures, toutes ces choses-là qui étaient construites avec des ARN pour la protection et ainsi de suite. Il a donné ça à David. Et quand David a mis ça, il a dit non, toutes ces choses ici, c'est d'abord, ça me rend d'abord trop lourd. Ça affaiblit mes vertus. Ce sont des églises, des systèmes ecclésiastiques. Quand quelqu'un vient, on voit la personne avec une petite lumière en lui, il vient vous donner des manteaux du Saül, du roi Saül. Il y a des autres, on va commencer à vous donner, à partir d'aujourd'hui, tu deviens berger. Toi, tu es une intercesseuse. Toi, intercesseur. L'autre là, toi, tu es un évangéliste. Toi, tu deviens co-pasteur. Le lendemain, pasteur, et ça va créer toujours des problèmes du jour au lendemain. Quand l'homme gère l'argent, lui seul, avec celui qui a mis là-bas tout ça, et ça crée des problèmes et il y a toujours des divisions.
Et le lendemain, vous autres, vous dites, moi, je n'irai pas à l'église. Là-bas, dans l'église, ces gens-là sont tous des aventuriers. Et dans l'église, il y a tout. Aventuriers, bah, l'église, tout n'a pas chrétien. N'a pas l'âme, tout n'a pas la musique. Bah, chrétien, bah, les aventuriers, bah, l'âme, tout n'a pas d'abord. Vous faites erreur, frère. Vous faites erreur. Entrons dans la perception. C'est là où que vous allez comprendre que non. Nous sommes tous encore devant cette même arbre et de faire le choix si nous pouvons rejeter les fruits de cet arbre ou d'en prendre et d'en manger. Comme c'était dans le jardin d'Éden, cette même arbre, cet arbre est encore au-devant de tout un chacun de nous aujourd'hui. Quitte à vous de savoir de faire le choix de rejeter ou de prendre cela. Donc cela veut dire rejeter, cela veut dire vous rejeter le diable. Rejeter, ça veut dire pour tenir avec Christ. Si vous prenez, ça veut dire vous acceptez de demeurer avec les mauvais esprits que vous ne voyez pas. David a persisté devant Goliath. Il a enlevé tous ses mentons. C'est pourquoi j'apprécie le pasteur Richard. Ce grand homme qui était parti au Congo-Brazzaville et les gens qui étaient sortis de l'église de Rigini là-bas, ils l'ont appelé, non, nous avons besoin de toi, reviens, reviens. Ils ont commencé vers sous-région là-bas, cette église, et ils sont venus vers des bonhommes. Et aujourd'hui, moi, j'ai fait plusieurs années en dehors du pays, on m'a dit qu'ils ont construit vraiment. Bon. C'est un homme ordonné. Il ne permet pas à n'importe qui de devenir pasteur de cette ermite derrière la chair. C'est ça. Éviter l'esprit de Saül pour créer plusieurs dénominations. Vous comprenez cela? C'était juste un exemple. Vous comprenez? David a persisté devant un grand dont tout le monde avait peur, avec des pierres. Dieu se révèle toujours dans la simplicité. Dieu se montre dans la simplicité. Quand vous disiez que non, les jours des prophètes se sont limités à Jean-Baptiste. Après Jean-Baptiste, il n'y a pas d'autres prophètes. Mais un fils de Dieu, une fille de Dieu va se tenir là-bas, il va consulter les Écritures. Il a dit, oh, mais la Bible dit que la parole de Dieu ne vient qu'aux prophètes. Donc l'apôtre Paul, c'est lui qui nous a écrit le Nouveau Testament. Donc, ça veut dire, c'est un prophète de Dieu, parce que la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Vous comprenez? Parce que si les prophètes se sont arrêtés à Jean-Baptiste, alors personne n'allait nous écrire Matthieu jusqu'à Apocalypse. Jean le divin, dans le livre des Patmos, c'est lui qui nous a écrit le livre d'Apocalypse. Alors, les prophètes se sont arrêtés à Jean-Baptiste, mais Jean le divin, il fit qui? Posez-vous des questions. Voilà l'incrédulité de cet âge à laquelle que nous vivons. Tout ça pour nier, pour essayer de quoi? Donc ça veut dire de camoufler ou soit de ne pas faire entendre aux gens cette révélation qui est venue au moyen du septième ange conformément au livre d'Apocalypse chapitre 10. Parce que Dieu nous a promis quand ce septième ange sonnera de sa trompette, ça veut dire quand ce prophète-là viendra avec son évangile. Quoi? Les messages de l'air. Vous comprenez? Les gens voulaient toujours nier que frère Branham, c'est un prophète de Dieu qui est venu avec l'incédule éternel de l'âge. Pourquoi? C'est ce qui l'a poussé à dire que non, les prophètes se sont limités à Jean-Baptiste. Alors Jésus lui-même, il fit qui? Les Juifs lui appelaient prophète. De Pierre, de Jean le divin, de l'apôtre Paul. Ils étaient des prophètes de Dieu, des saints prophètes de Dieu, comme Samuel, comme Élie, comme Élisée, comme Moïse. Est-ce que vous comprenez? Voilà la raison pour laquelle, aujourd'hui je vais être bref. Nous avons fait quand même un petit retour sur la persistance
qui veut dire persévérer, donc cela veut dire persévérance, afin que nous puissions obtenir quelque chose de précieux, quelque chose qui est comme un cristal, quelque chose qui ne se brise pas. Ce caillou blanc qui est la foi, la révélation du Seigneur Jésus-Christ, on ne peut l'obtenir que quand on persiste, comme quand nous avons lu ici dans Apocalypse chapitre 2, dans l'âge de Pergame. Vous comprenez? Beaucoup sont là, ils se disent que nous témoignons le Seigneur dans ce monde de pervers et toutes ces choses-là, mais ils ne tiennent pas compte que non. Une seule portion des Écritures, même un virgule dans ces Bibles, si vous les, quand vous les interprétez mal, sachez que vous êtes éloigné de sa volonté. Et quand nous nous revenons ici, nous voulons essayer que les gens puissent connaître que non, ils se sont avancés eux-mêmes, comme les disciples, ils avaient fait autrefois. Ils sont entrés dans la barque, ils sont allés, ils ont laissé le Seigneur derrière. Et quand ils sont arrivés quelque part là-bas, l'orage qui était arrivé avec de l'obscurité là-bas, ils ont commencé à crier comme des petits enfants. Et à quelques minutes, ils ont vu le Seigneur venir. Vous comprenez? C'est ce qu'ils font les églises. Et Pierre, quand ils étaient là-bas, quand le Seigneur... Bon, je vais donner deux exemples à la fois. L'autre fois, bon, vous savez, l'autre exemple, c'est quand le Seigneur dormait dans la barque. Et ils avaient peur et ils voulaient ce que non, le Seigneur puisse se réveiller pour calmer la tempête. Mais l'autre, là, ils sont en train de dire ici... Quand ils sont allés et le Seigneur revenait, il était au-dessus de l'eau. Donc, comme quelqu'un qui marche au-dessus de l'eau. Et Pierre a dit au Seigneur, « Permets que moi aussi, que je puisse aussi marcher au-dessus de l'eau. » Le Seigneur lui, « Oui, tu peux le faire comme tu l'es, si tu le crois. » Et Pierre, il était là. Quand il avait les yeux fixés vers Jésus, il marchait très bien au-dessus de l'eau. Mais quand il regardait à sa personne étant Pierre, voilà ce qui va nous introduire dans la perception. Vous comprenez? Quand vous voulez entrer dans la perception, donc de percevoir quelque chose, vous ne devez pas regarder ni à vos afflictions, ni à vos soucis, ni à l'état à laquelle que vous êtes. Comme le diable, il a toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, est-ce que Yébi Mambo Yosaragi Lobby? Il vous rappelle toujours ce qui est dépassé. Alors que tout vos passés a été entré dans le sang de Jésus, ce que le Seigneur vous recommande, c'est d'être sincère envers lui. L'esprit du crapaud, du gorodo, a beti dépatant, tant, trois, a balodimi sur la cima. Binobo mone a otalaboui, mais ses yeux sont derrière. C'est pourquoi quand vous remarquez dans l'air, les emblèmes, leurs signes, ils ne manquent pas de mettre toujours les crapauds. Quoi? L'accusation. Pousser les gens de regarder toujours vers l'arrière. Nous, nous regardons jamais si ce qui s'était passé hier. Cela est entré dans le sang de l'agneau tout autant que je marche avec lui. Vous comprenez? Voilà. Pour terminer, vous allez comprendre que non, Pierre nous a dit de nous repentir et d'entrer dans la marche afin de recevoir les dons. Or, on ne peut pas recevoir cela sans pour autant passer persévérer. Parce que dès ce jour dont vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur, parce que c'est ça d'abord la première des choses. Les gens ne croyaient pas que quand vous entrez dans cette première étape que vous le croyez comme Seigneur et sauveur. Non. Jésus vient comme un Seigneur quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit qui est lui. Donc ça veut dire il vient pour demeurer. Parce que dans cet âge à laquelle nous vivons, c'est l'Odyssée. Christ est en dehors. Il a été chassé hors de son église. Il y revient, il frappe à la porte comme il y a une photo qu'une sœur qui nous a envoyée dans le groupe des croyants ce matin. Elle a écrit « Bonjour » et la photo de Jésus qui était là, bon, disons ça simplement comme ça, frappa à la porte. Pour qu'on puisse ouvrir, qu'il puisse entrer, c'est ça.
Qu'est-ce qui a fait cela? Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant dans les péchés conçus dans l'iniquité. Vous comprenez? En venant dans ce monde, en proférant des mensonges et toutes ces choses-là, ne croyez pas que dès ces premiers jours-là, sans pour autant passer par la persévérance, pourquoi Israël n'a pas obtenu ce que le Seigneur leur avait promis, alors qu'il était là lui-même dans la chair humaine, Moïse, l'Éternel qui a donné la promesse à Abraham. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas possédé le pays de la promesse? Parce qu'ils n'ont pas, l'apôtre Paul le dit ici, je pouvais lire ça, dans Hébreux chapitre 9. Parce qu'ils n'ont pas persévéré. Et ils étaient tous péris dans le désert. Vous comprenez cela? Lisez Psaume chapitre 5. Vous allez voir ce que je suis en train de dire ici. Voilà. Ils sont tous péris dans le désert. Ce sont leurs enfants qui ont été nés après ces 40 ans. Vous voyez l'objectif du 40 ans dans la marche? Parce que l'Éternel savait que c'est tous ces gens ici, ce ne sont que des incrédules. Ce sont des carcans des incrédules. Et leurs enfants qui ont été nés, ce sont eux qui sont entrés dans le pays de la promesse avec Josué et Caleb. Parce qu'une génération dure 40 ans. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous sommes retournés encore un peu par la persévérance en introduisant la perception qui est un moyen quand vous vous tenez devant cet arbre qui est encore au-devant de tout un chacun de nous aujourd'hui, cet arbre de connaissance du bien et du mal, qui était là dans le jardin d'Éden, est encore au-devant de tout un chacun de nous aujourd'hui. Ne croyez pas que parce que ton père, fille du message, fille catholique, fille témoin de Jéhovah, fille je ne sais pas moi, que vous vous dépendez sur ce que votre père était, c'était des erreurs qui étaient autrefois avec les pentecôtistes, qui était avec les disciples qui croyaient être avec le Seigneur. Donc, ils vont demeurer toujours avec le Seigneur. Vous comprenez cela? Mais quand le temps était là, le Seigneur a dit à Pierre, quand il sera converti, c'est-à-dire quand il sera changé, quand il changera ta perception, affermis tes frères. Tu comprends? Donc, cela veut dire, il n'était pas encore changé. Il était encore Simon. Il n'était pas encore devenu Pierre. Son nom n'a pas été encore changé. Son identification n'a pas été encore changée. C'est ce qui fait en sorte que ils étaient là. Ils avaient peur. Et tous dans la chambre haute, dans la peur. Comme quand ils étaient dans la barque. Jusqu'au jour quand ils ont eu le fils, ils ont persisté dans ce lieu. L'effusion du Saint-Esprit, et ils ont eu le courage, l'autorité de sortir et de parler avec l'autorité. Vous comprenez comment vient l'autorité de l'Esprit? Nous allons entrer profondément sur la perception, de parler sur la perception, afin que les gens puissent comprendre comment obtenir les dons dont l'apôtre Pierre nous a parlé, et vous recevez les dons du Saint-Esprit afin d'obtenir ce que nous espérons, comme nous venons de lire ici. Parce que ce que nous espérons, nous ne le voyons pas, mais nous l'espérons avec persévérance afin de l'obtenir. Si vous croyez que vous l'avez déjà obtenu comme les gens qui se disent que il a donné la promesse à tous ceux qui t'ont cri, à tous ceux qui t'ont reçu la portion du ciel. Ils sont devenus fils de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu en devenir enfants de Dieu. Dans nos comités, peut-être enfant de Dieu, mais pas fils de Dieu. Pas fille de Dieu. Tu peux devenir enfant de Dieu. Mais fils, fille, c'est celui qu'on donne la responsabilité. Il a l'égalité de la signature de son père comme Jésus. Est-ce que vous comprenez? Comme frère Branham, comme Paul, ouais, comme Pierre, je te donne les clés du séjour des morts. Tu fermes, ça ferme. Tu ouvres, ça ouvre. Comme Moïse qui avait l'ainsi dit l'Éternel. Vous comprenez? Vous n'écoutez pas, les grenouilles sont là. Vous n'écoutez pas,
Votre os se transforme en sang. Et vous n'arriverez pas à boire de l'eau. Si vous comprenez, vous le buvez, vous mourrez. Voilà l'état à laquelle que ce monde est, eux. Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur soit loué. Restez dans la paix du Seigneur. Nous allons continuer ce dimanche prochain qu'avec la perception. Vous comprenez? Et puis, nous allons terminer l'autre dimanche là par la perfection. Que la paix du Seigneur notre Dieu soit avec vous. Nous vous aimons tant par les dispositions que le Seigneur nous a données. Tout ce que vous en avez besoin, ça se trouve ici dans la parole de Dieu. Dieu nous a laissé lui-même la parole. Shalom, je vous aime. Que Dieu vous bénisse richement.